Est-ce que les écoles musulmanes en Belgique sont-elles des ghettos, des écoles ghettos? C'est une très bonne question et il est légitime de se la poser. Avant de répondre à cette question, il faudra déjà qu'on définisse le terme ghetto ou d'une école ghetto. À la base, une école ghetto, c'est une école où on va retrouver le même public d'un point de vue socio-économique ou socio-culturel. On remarque que par rapport aux écoles islamiques, c'est justement le contraire. Nous avons énormément de parents, de profils totalement variés, différents, d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue d'habitation et également même d'un point de vue d'obédience musulmane. Donc ici, je vais juste un peu éclaircir la chose. On remarque qu'il y a un pouvoir d'attractivité des écoles musulmanes par rapport aux parents. C'est-à-dire que par rapport aux écoles classiques en Belgique, généralement, c'est ce qu'on appelle des écoles de quartier, pour les écoles maternelles primaires. C'est-à-dire que les personnes qui habitent tout près de l'école inscrivent leur enfant. Or, pour les écoles islamiques, c'est justement le contraire. On a en moyenne plus de 90 à 96% de parents qui n'habitent pas la commune ou la périphérie proche de l'école. Ce qui veut dire que nous avons des parents de tous les horizons, de toutes les communes et même parfois de toutes les régions qui viennent d'en dehors de Bruxelles parce qu'ils veulent une école islamique pour leur enfant. Donc déjà, l'aspect d'école ghetto d'un point de vue socio-économique tombe. Parce que nous avons des ingénieurs, des médecins, des personnes aussi apatrides ou qui seraient au CPAS. Donc on a vraiment tous les profils. D'un point de vue de nationalité, tous les élèves sont belges, à part une ou deux familles. Maintenant, si on remonte à deux ou trois générations, pour la plupart, nous remarquons qu'il y a une majorité d'enfants d'origine maghrébine, d'origine turque, et il y a également du Moyen-Orient et aussi des belgo-belges, si je peux me permettre. Par rapport à la langue parlée, là on se rend compte qu'en effet, il y a un processus de français seconde langue. C'est-à-dire que le français dans les écoles islamiques, pour la plupart des enfants, est une seconde langue, parce qu'à la maison, il y a une langue qui est soit l'arabe, le rif, le turc, ou un patois de la famille de l'origine, justement de la famille. Donc c'est vrai que cette question d'école ghetto, il faut voir sur quel plan on la prend. Par rapport à l'aspect religieux, alors oui, tous les enfants sont musulmans, même si l'école est ouverte aux non-musulmans, il n'y a aucun souci, mais la pression démographique sur Bruxelles et la demande des parents musulmans fait qu'il n'y a uniquement des enfants musulmans inscrits dans les écoles islamiques, parce que les autres n'ont plus de place, tout simplement. Mais ça pourrait l'être, il n'y a aucun souci. Par rapport à l'islam, on pourrait se dire aussi, ben là, ça devient une école ghetto d'un point de vue religieux. Or, on remarque que dans le public des parents, nous avons des parents fréristes, des parents salafistes, des parents soufis, des parents chiites, des parents qui ont une vue très laïque et sécularisée de l'islam. Et donc, on a des quiétistes, on a vraiment tous les profils de l'islam contemporain européen. Ce qui veut dire que finalement, les écoles islamiques arrivent à un consensus sur les valeurs fondamentales de l'islam. Ça veut dire que même là, il n'y a pas de ghettoïsation sur l'aspect spirituel, au contraire. Donc finalement, pour répondre à la question, est-ce que les écoles islamiques, ce sont des écoles ghetto? Preuve est, étude à l'appui, que non, justement, au contraire. L'image d'une école ghetto, il faut savoir que, on parle d'une image attribuée. C'est-à-dire que des personnes vont tout simplement donner une image d'école ghetto aux écoles islamiques parce que, factuellement, la plupart des têtes d'enfants que nous allons voir ne sont pas nos chères petites têtes blondes, si je peux me permettre l'expression, mais il y aura énormément de têtes brunes parce que ce sont des enfants d'origine marocaine, d'origine turque, d'origine orientale, pour la plupart. Et donc, il y a un amalgame qui se crée par rapport aux écoles non islamique, communal, catholique, où on va voir un public et une population majoritairement originaire du Maghreb, dans les quartiers dits défavorisés, et donc des quartiers ghetto. Et donc on va attribuer cette image de quartier ghetto, d'école ghetto, aux écoles islamiques. Or, comme nous l'avons déjà dit, le public scolarisé est totalement hétéroclite et n'est pas dépendant du quartier. Donc nous ne sommes absolument pas dans une école ghetto.